Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la une des journaux de ce vendredi 16 septembre 2022. Débarrons tout de suite par le quotidien La Boussole qui affiche au titre de sa parution liste électorale informatisée provisoire. L'ANIP officialise de nombreuses irrégularités. L'honorable Hassan Seibou relève des cas dans la Donga. Clôture des candidatures à la Sénat pour les législatives 2023. Fin des illusions et début des hallucinations le 4 novembre prochain. Le potentiel met en manchette. Ouverture de la deuxième session extraordinaire 2022 à l'Assemblée nationale. Le budget 2023 du Parlement adopté lundi prochain. Sur cette même parution, on lit pratiques professionnelles, indépendance et viabilité des médias au Bénin. CNPARSF pour soigner les maux du journalisme béninois. Les quatre vérités placardes. Déferlement de propos régionalistes à l'approche des législatives de 2023. L'ONG Alcré dénonce et appelle à la retenue. Décès du fondateur de la faculté de sociologie-anthropologie. Le professeur Honorat Aguessi a tiré sa révérence à 90 ans. Poursuivons avec Infomatin qui titre « Guerre froide entre maire et secrétaire exécutif. Les conseils de supervision entre marteau et enclume. Dynamisme info informe. Réaction à la démission du directeur de l'école de l'UDBN. Un bon débarras selon des responsables du parti. Nous sommes à présent avec Matin Libre qui titre Japon-Afrique. TICAD 8, un nouveau chapitre de coopération. Finissons avec le quotidien La Nation. Prévention de l'extrémisme violent, l'engagement de tous souhaité. Peut-on lire également sur cette même parution, aspirant au métier d'enseignement, la reconstitution de la base de données projetée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la une des journaux de ce jour. Merci pour votre attention.